Ouais, il est dans l'ordre. Hein. 3000 PV à dollar. On va faire tout dans l'ordre, tout dans l'ordre. On va pas se faire chier. Oh, cette musique. Quel plaisir. En vrai, on va jouer avec les persos qui servent à rien. Donc en premier, Duren. Je sais pas s'il faut aussi que les gens atteignent le niveau max pour un succès ou quoi que ce soit. Mais on va faire en sorte que oui. Mais là, faut spammer les compétences des gens. Alors, Raystein, soulevez la main et la terre reviendra à sa place habituelle. On lève la main. Rien ne se passe. Là. Ok, j'ai compris. C'est pour reset, quoi. Ah. Reset. Obvious. Oh, jouer. Jouer du renne, hein, quelle vie. Jouer du renne. Shield 4. Killing table là-dessus. Fini. Oh, GG. T'as fait Hades, t'as vu la fin et tout, avec la queue de fin incroyable. La musique, elle est pas... Eh, franchement, le thème de Shadowbringer, il fait pas kiffer de dingue. Moi c'était un moment, mon Kokoro, moi j'ai trop kiffé. Après moi, la quête principale des FM, je lis tout. Enfin, la quête principale, pas les quêtes de random, hein, mais j'ai trop kiffé Shadowbringer. Yes, stylé. C'est rare hein, qu'un MMO il te fait kiffer comme ça. Moi en général, un MMO, pour moi c'est même ça fait même aucun sens qu'il y ait une histoire dans un MMO. Je suis limite en mode what the fuck man. A story in a MMO? Oh megalol. Does that even make sense? Et le pire c'est que oui. That makes sense. Non, pas tué, descendu à 15%. Quoi? Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe dans l'histoire. Tu le blesses assez, ça. Moi, j'ai même pas tué ADCX, hein, pour vous dire à quel point j'ai laissé tomber FF. Mais je sens que la prochaine extension, ce sera mon extension. Ce sera peut-être sans doute le retour de la vraie vie. Ou pas. Ah, mais maintenant, je peux passer de l'autre côté. C'est ça? Oui. Vous croyez que je spam assez?
Bon, c'est évident qu'il faut être petit. Faites attention au regard des statues. Boah. Fuck you, bitch. Levez votre main et les statues ne regarderont plus. Je parle du Savage. Hein? Je vais vous parler. T'as raid aujourd'hui? T'as mis à 15% UNEVES. Comme quoi, c'est facile au final. Ça va être incroyable ce don. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de level up des skills? C'est ça que je me demande en vrai. En vrai, ouais, on a envie. Mais attendez. Ah non, il reste ok. Ça parle mal gratuitement. Moi je parle seulement. Mal, pas mal, tout est relatif. Si t'as confiance en ton skill, c'est, tu t'en fous, je n'ai pas parlé mal. Si maintenant tu commences à douter, problème. Je rigole, allez. C'est normal en vrai. C'est tellement. Qu'est-ce qui. Chaotic Aura. C'est tellement. Comment dire. C'est tellement le meilleur jeu pour juste être à chier à chaque fois. J'ai fait Hades là, puis. C'est quoi Chaotic Aura? Je deviens. Ça m'a un debuff, mais je deviens fort, c'est ça? C'est pas bon. Putain, Adam, tellement heureux. Shadowbringer, best extension. J'ai même plus parlé. Ça me désole. Bah maintenant, c'est triste à dire, mais t'as quand même de l'histoire à faire encore, malheureusement. Faut que t'ailles faire toute l'histoire. Toute l'histoire des trucs qu'il y a eu pendant cette première année. Enfin, cette année et demie de Shadowbringer. Mais bon, ça devrait pas être grand chose. Débloquer Titan et tout. Mais continue, t'arrêtes pas maintenant. Bon, il est encore tôt pour toi, tu peux encore spammer un peu. Ou alors le repos du guerrier d'être arrivé jusque là. As you want, man. Mais j'ai raté des coffres là-haut. Attendez, faut que je fasse demi-tour. Yes, faut que je rappuie. Ah mais non, je suis con. Faut pas que je rappuie. J'ai backdash, quel idiot. Ah mais non, vas-y là.
Ah, ah non, merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, c'est ça. Parce que maintenant, attends. Je retourne sur la ligne droite. Et je peux pas l'atteindre la ligne droite, je suis un attardé. Bon, au moins il y a ça que j'avais pas pris. Attends, cutscene, oui oui, regarde, regarde. Enjoy, enjoy. Lahi, comme on dit chez moi. Lahi. The fuck. Mais vas-y, maintenant je suis bugué. Je suis bugué. Je réussis plus à être dans le bon ordre. Je peux rien reset. Iris Crossroad. Bon, je suis obligé. It's bad, man. Il est déjà presque minuit alors que je dois finir le jeu aujourd'hui. Ça m'avait fait la même chose, j'ai dû sortir. Mais ouais, mais c'est pour avoir ce coffre de merde. J'aime bien quand ils mettent Miss Fortune et que il y a un milliard de pognon qui tombe. Que j'ai genre 999 000. Allez, il a appris un nouveau combo. Enfin, ils ont même pas appris tous leurs skills, hein, donjon de fin. Hein. À ce moment-là, tu reviens pour le raid 24. Toujours le raid 24, on le fait toujours en à plusieurs. Et cette fois, il y aura Adam, ce sera trop bien. En plus, la dernière fois, il nous manquait genre une ou deux personnes. Du coup, ce sera parfait. Mais je vais peut-être rejouer, hein, je sais pas. Hein. Peut-être faire. Mais le problème, c'est comme je disais à Adam, c'est que j'ai du mal à jouer en casu. Mais peut-être faire mes mémos histoire que ce soit fait. Ça, si j'ai envie un jour de faire les raids, je les fais. Et de toute façon, les raids, je les ferai peut-être. Ouais. Je les ferai peut-être avant l'extension, hein, ça dépendra de mon envie. Hein. Laisse-moi tranquille, je sais que ça hypant, mais faut que je prenne une décision lucide. Faut pas prendre une mauvaise décision. Parce que si l'extension, par exemple, c'est cet été, ben, je reprends deux mois avant, je farm un peu quand il n'y a plus de limite, et puis c'est bon. Parce que, en fait, j'aurais pas dû rejouer. Au patch 2, j'aurais dû faire comme à la 3.0 quand j'allais skip le deuxième tiers. Et là j'aurais peut-être fait le troisième tiers avec full envie. J'aurais pas dû faire le deuxième tiers, enfin jouer un petit peu. J'aurais dû faire le raid 24 comme à mon habitude et partir. On n'est plus en 2014. Maintenant je soulève des barres, ça prend du temps. Quelle idée aussi. Je sais pas, je me demande vraiment pourquoi.
Alors attendez, réfléchissons, parce que j'ai pas envie de me faire baiser cette fois. J'ai envie de passer là-bas. Comment je... Allez, je vais sauvegarder, comme ça je fais pas que... Oh mais du renne hein. Oh mais toutes les utilisations de Chaotic Aura, ce sera jamais niveau... Vous vous rendez compte de combien de fois je dois appuyer sur le bouton? Ça va. Ça va mais c'est quand même dégueu hein. Ça va moyen. Et merde. Comment ça marche le puzzle là? Comment c'est censé marcher? Je crois que j'ai fait de la merde. J'aurais dû appuyer à droite d'abord. Ouais, j'allais appuyer à droite d'abord puis à gauche. Calmez-vous, je vais poser une question. Ah, j'ai juste répondu. Ah, le pire spell. Hein. Ah, c'est bon. Va farmer des mémos maintenant. En fait, c'est boulette. Ça passe contre Hades. Ah mais t'avais pas fini. Ah, mais tant que t'as pas vu les crédits, tu sais qu'il y a des crédits dans le jeu hein. Tant que t'as pas vu les crédits, t'as pas fini hein. Il y a des crédits dans le jeu. Donc regarde les crédits. Non, il y a des vrais crédits hein. Tu peux pas rater la fin. Il y a des crédits. C'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est comme à Shadowbringer et Stormblood. Ils ont mis des crédits, c'est meilleure idée. Meilleure idée. Tu peux crafter du 510 Elnot. Ça coûte combien en mémo quartz d'achat d'items de faire des trucs? J'ai toujours du mal à me rendre compte de ce que d'habitude je donnais juste au mec et il devait. Normalement, Adam, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, avec les mémo quartz qui sont merdiques, donc ceux qui deviennent du patch d'avant, tu peux acheter des compos du nouveau patch qui permettent de faire des crafts, des stuff craftés. Et ça, c'est ce qu'il faut faire en général pour. C'est ce que les raiders ils utilisent, c'est du 510, ça permet de faire les world race avec du stuff assez valide parce que c'est déjà 10 level au-dessus du reste. Sachant que le normal donne aussi du 510. Donc aujourd'hui, je vais un peu hyper Adam. Cette semaine, si tu vas assez vite dans tout ce qui est quête, etc., et que tu réussis à atteindre le dernier patch, tu peux farmer le normal, looter les Momo Quartz de la semaine. Donc tu pourrais potentiellement avoir deux pièces 510 avec les raids normaux. T'es limité à 4 loot par semaine, 1 par tiers. Donc à chaque fois que tu fais le raid normal 1, 2, 3, 4, enfin 9, 10, 11, 12, t'as des coffres, tu peux looter qu'une fois par semaine. Et genre si tu lootes une main, il te faut deux mains pour acheter la main 510. Tu peux looter 4 fois un torse et ça te permet de les échanger contre le vrai torse 510, etc. En fait, c'est des bêtes tokens, mais qui ont l'apparence de l'objet même, tu vois. Genre, tu vas looter des bots dans le coffre, mais c'est pas des bots que tu peux équiper. C'est un token bot, et t'en faut deux pour les bots. Pour les bijoux, c'est un seul bijou suffit.
pour la ceinture, une seule ceinture suffit, etc. etc. Vas-y, vas-y, essaie de carry. Raise your hand, cancel. Oh là! Oh là, Johan! Putain, mais Johan il arrive, sub direct. 7 mois, allô? Ça va, Johan? It's been a long time, man. J'espère que tu vas bien, gros. C'est exactement comme. L'alerte l'a dit. Brother! It's been too long. Merci, gros. Toujours un plaisir d'avoir le soutien des frères. On fait avec et tout. Ça va, on fait aussi avec le confinement. On essaie de vivre. Quel skill de merde. En vrai c'était de la merde ce qu'on disait hein. Même mec le plus 4, tout ce que tu veux, ça prend des plombes hein. C'est de la merde. J'ai pas envie. En tout cas commencer par Duren et ce skill là c'est... Oh mon dieu quoi. Les autres ils ont l'air d'avancer mais putain. Qu'est-ce que c'est de la merde. Démontrer le pouvoir du roi des bêtes pour pouvoir passer. Le pouvoir des rois des bêtes. Ah, I know man. Je disais bien que c'était ça. Je disais bien qu'il parlait de ça. Mais après ça dépend, hein. S'il a pas d'arme valide, mieux vaut qu'il prenne l'arme craft pour pouvoir aller sur l'armée X. Parce que vous pas oublier les levels, hein. C'est bien beau de penser à ce qui est le mieux, mais en vrai... Comment tu veux qu'il rentre dans un groupe ou qu'il faisait le DPS s'il tue la merde. Faut forcément qu'il chope... Ah ouais, on voit. Oh trop bien son counter. Il a un vrai contre. Il a un vrai contre. C'est incroyable. Franchement c'est bientôt fini. Il fait la relique. Elle est quel level la relique. Ça doit être de la merde. Mais je lui avais pas dit l'autre fois que la relique c'était de la merde. Je peux la faire pour le skin mais... De toute façon il est en train de faire Hades là, laisse-le. Ah, 500 c'est parfait. 500 c'est une arme valide pour aller faire l'IX. Je pensais qu'il avait encore des armes d'avant. L'histoire. Pourquoi tu mets Kappa alors que 500 c'est valide. Quoi de neuf. Oh, tu sais c'est le confinement. On en a profité pour refaire tous les is. Et c'est le dernier. Donc aujourd'hui on finit la saga des îles et on va pouvoir jouer à Cyberpunk sans doute. Si je spam des spells pour le pic,
Ouais, mais moi je commence à comprendre pourquoi certains streamers ont banni Lid et Kappa. C'est parce que les gens savent pas les utiliser. C'est pas pour troll, Kappa. Hein. C'est pas une emote troll. Hein. L'emote troll existe, c'est le troll. Je sais pas si vous vous rappelez de. De la troll face. C'est vrai qu'elle est. C'est un mime qui est mort, hein, la troll face, n'empêche. Je pensais pas qu'elle mourrait aussi vite. Enfin, aussi vite. Elle a fait son temps quand même. Mais Kappa, ça a rien à voir. Kappa, c'est l'ironie. Pas vraiment du troll, hein. La vraie utilisation, mais c'est vrai que maintenant beaucoup de gens utilisent le Kappa. Oh, c'est trop bien, Abyss the Gazer. Elle note comme tous les gens sur Switch ne savent pas utiliser le Kappa. Correctement. Faut des cours hein, surtout, c'est pas si facile que ça. Hein. Je suis pas fou hein, d'utiliser des spells dans le genre, je vous le rappelle. J'ai des vraies raisons. C'est. J'espère que d'ici la fin du donjon, les compétences seront maxées. Et je pense que c'est littéralement la pire idée que j'ai eue de me dire que je vais le perdre en donjon de fin. Après, le jeu était tellement gratuit, ça s'est fait vite. Moi, c'est pas vraiment ma faute. Des fois, je suis ralenti, ça rend fou. Merci. Oh, le flash move au pif. Encore un flash move au pif, tout en étant ralenti. Le geyser des abysses, allez barrez-vous. Flash bracelet. Si nous avons fait. C'est vrai que j'ai influencé Elnot et Adam pour Cyberpunk. Faudra pas venir me faire chier si vous aimez pas. Hein. Moi j'allais le faire le jour où ils l'ont annoncé, que ce soit bien ou non de toute façon. Alors, faites pas chier. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire tous les Ease récemment. Je me faisais tellement chier en ce moment, il y avait aucun jeu qui m'intéressait. Et au final, on a réussi à trouver un minimum de fun dans ce monde pourri. Ta-da-da-da, ta-da-da-da, poit-poit-poit, poit-poit-poit, ta-ta-ta-ta. Ça booste ton PC. Bah j'ai juste rajouté de la place. Je commençais à avoir plus de place. Moi je suis un mec qui jette rien. IRL comme sur mon PC. Hein. Du coup, j'ai beaucoup de disques durs. En avoir une dizaine, plein de trucs. Moi, tous les jeux auxquels je joue, tu peux cliquer dessus et les lancer. Je les désinstalle jamais. Hein. Adresse pour lui. Ah. Hades, il m'a trop fait kiffer. Mais de toute façon, le personnage même de Emmet Sledge, Emmet Scale, je sais plus comment ça se prononce. Emmet quoi? Best perso hein. de tous les MMO, tout ce que tu veux. Hein. Donne-moi un SSD, mais j'ai même un SSD dans ma PS4 hein. Que je récupérerai un jour sur ma PS4 ouais, quoi que. Je suis sûr que je sortirai jamais de la PS4. Est-ce que j'aurai un Tera dedans? Mais ouais. Mais t'as pensé quoi de... Parce que je pensais vraiment que tu skippais au début, mais si t'as suivi l'histoire. T'as vu le moment où tu vas dans la ville des Anciens, dans la zone sous l'eau là, enfin où il y a les... où tu vas avec la baleine. Incroyable cette zone hein, où t'apprends qu'en gros t'as le monde de base qui est séparé dans les 14 mondes. C'est incroyable. Je veux. Vas-y, va. Salut, café. Merci MH World. Ouais, c'est vrai, putain, MH World. Les temps de chargement de ce jeu de merde. Le pire.
S'il y a bien un truc que je regrette, c'est que ces connards aient sorti Smash World un an plus tôt sur PS4. Alors je regrette pas l'avoir fait sur PS4 parce que j'attendrai un an, ça m'intéresse vraiment pas. Mais quel bande d'enfoirés, c'était sorti en même temps, on serait pas fait chier avec ces chargements de merde. Par contre maintenant la PS5, à ce qui paraît les chargements sont incroyables. C'est ce que j'ai entendu dire. Après la PS5, j'ai pas vraiment regardé de jeu dessus pour le moment parce qu'il y a rien qui m'intéresse vraiment. De toute façon, s'il y avait un truc qui m'intéresserait, j'attendrais que je sorte. Enfin que je l'ai, quoi. Vous me connaissez. Mais j'ai lu des tweets et tout de gens full motivés en mode c'est incroyable, ça charge vite. Pourquoi je suis le seul ralenti? Berserker armor. Ça c'est pour moi normalement, mais bon. C'est mon armure de la vie, Berserker. Mais non, mais je voulais juste ouvrir, mais c'est la touche L1 pour ouvrir les coffres verrouillés. J'ai utilisé l'ultra dans le vent. Bon, il en est où dans ses skills, cet homme nul? Lady Counter, c'est bientôt fini. C'est pas fini, c'est niveau 1. Oh mon dieu. Bon, en vrai, on va laisser tomber. Autant s'amuser. J'ai déjà fait le jeu une fois où j'ai déjà fait ça. On va pas le faire un milliard de fois. Allez, on joue avec les persos qu'on aime bien. On met les trucs qu'on aime bien. Je peux laisser. Ça va me saouler quoi. On va mettre Adol, on va lui mettre Flash Move et Flash Guard pour le plaisir que c'est de jouer avec ça. Recover des HP en Flash Guard, non c'est pas ça que je veux. Recover des HP en Flash Guard, on s'en fout. Y'a pas un truc qui fait que la Flash Guard dure plus longtemps ou tu fais plus de critiques, non? Bah, on met une cape de l'aventurier parce que l'aventure c'est ça qui compte, la cape du héros, allez. Nique ça aussi. Allez, tout le monde met la cape du héros. Qu'on défonce des têtes là. Ça m'a déjà saoulé en vrai. On va mettre les capes. Voilà. Et quoi d'autre comme item qui est incroyable dans ce jeu? Plus de force, plus de def. Ouais. En vrai. J'ai envie de dire double cap, mais je vais leur mettre le truc du XP. Au simple plaisir que XP. Parce que XP ça reste un plaisir. Quoique en vrai, non. Au cas où je les joue, qu'ils aient l'anneau de compétence, allez. Voilà, et on joue. La waifu. Ouais je sais pour Ares. En fait ça change pas les animations à la vitesse à laquelle tu spammes les trucs, c'est ça le truc. Ça prend des plombs parce que ça c'est spammer les compétences. Juste pas envie. J'ai pas besoin de solution, t'inquiète. J'ai le jeu entre les mains, je sais très bien ce que je peux faire avec. C'est juste pas intéressant. Je préfère jouer avec les persos que j'aime bien. Moi, vous savez, les succès, y a que les succès, y a que les bons succès qui sont valides. Le reste, c'est de la merde. Alors, voyons voir. Quel est le premier gardien? Damn! Mais c'est un poisson sur une armure d'FF12. On dirait pas un boss dans FF12. Genre le mec avec le seau d'eau. Parce qu'elle met celui-là aujourd'hui. Taisez-vous! Allez, on va lui matraquer la gueule avec la gamine. Mais t'arrêtes! Flash Guard! Ah, je suis Adol maintenant. Flash Move. Mais on voit même pas. Ah, bla bla bla!
Il est déjà par terre, tiens, crève. Crève, on te dit. Bla, bla. Mais elle m'a paré un jour dans sa vie. Bon bah nice. C'est trop facile. On va retirer toutes ces armes du futur là, c'est trop simple. On les a, mais en vrai c'est pas marrant. Après, je pense pas que ce sera plus dur. Même en faisant ça, mais bon. On va mettre les armes d'avant. Ringlave. Oh les glaives. Oh lui, il peut mettre purgatoire, on vient de le looter. Est-ce que quelqu'un a looté un autre truc? Je crois que moi j'ai looté Apocalypse, voilà. Je joue avec Apocalypse. Je crois que non, elle a l'air forte quand même. Même les caps, c'est trop fort. On va mettre ça pour voir son nouvel ultra. Lui, on va mettre ça pour le plaisir de respecter le chevalier qu'on a tué. On va mettre des trucs RP. Elle a besoin d'un bandana. On va mettre le bandana. On va prendre le bandana risqué. Elle est stylée. On va prendre un diadème du sage qui augmente l'XP, ça ne change rien du tout à son gameplay. Lui c'est un guerrier, il va prendre une ceinture. Voilà. Et lui, il va prendre des boucles d'oreilles, tiens, allez. Ça, j'en ai marre, quoi. Looter tout ce stuff pour au final le déséquiper. Parce que les mobs sont one shot, quoi. J'ai well placed Stormblood, worst DLC. Comment ça, Stormblood? Shadowbringer? Ah, oui, ok. Ouais, t'inquiète. Heureusement, Shadowbringer m'a hype. Shadowbringer, c'était vraiment bien. En fait, ce que j'ai écouté, c'est aussi la manière dont il amène. Tu sais, la lumière, c'est un peu les méchants. C'est rare, hein. Enfin, c'est rare, c'est jamais comme ça, en vrai. Là, j'ai bien aimé comment c'était amené. Puis quand tu ramènes la nuit, là, dans la première zone, après le premier donjon, quel plaisir. Ah, je suis mort! Bah ouais, c'est plus marrant quand je meurs. On va jouer comme ça. Par up! Nice! Pour une fois que j'ai réussi à la mettre. On va l'armée au sol. Par contre, j'ai pas l'ultra chargé, il va mourir, j'ai pas pouvoir avoir. Oh, attends. Ça va quand même vite, mais bon. Aussi, je crois que dans Shadowbringer, c'est aussi l'extension où il y a un passage vachement gore au tout début dans le désert quand t'as la meuf qui se fait transformer, la meuf qui protège le gamin possédé qui a plus de cerveau, et elle a le sang blanc qui coule des yeux, qui sort de la bouche et tout, c'est dégueulasse. J'étais en mode putain, on joue vraiment à Final Fantasy là? C'était Silent Hill, fils. Ah, j'ai trop kiffé. Enfin, je veux dire, pour un MMO, c'est pas du niveau de d'histoire de jeu normaux, on va dire, mais quoique si, en vrai. Justement, un MMO, pour un MMO, c'est impressionnant. Bon, à part WoW, qui est un lore de fou, mais
Mais là, c'est même pas question de lore, c'est l'histoire. Je pense même pas qu'il y ait un niveau aussi haut pour l'histoire même. Eux, ils jouent tous sur le lore et live de leur perso de Warcraft 3, quoi. Ça fait 15 ans qu'il y a toujours Thrall et l'autre connasse de... La poufiasse qui aime bien Arthas, là. Toujours les mêmes.